Le Requiem de Jean Gilles était un des requiems les plus célèbres de l'histoire de la France du XVIIIe siècle. Ce requiem de 1764 pour le service funèbre de Rameau était déjà un pastiche par ses compositeurs amis ou ennemis contemporains. Mais nous, on a aussi pris la liberté de faire un hommage à Rameau dans cette année Rameau. Pour ma part, que je n'avais jamais joué, puisque la version que tout le monde a jouée jusqu'à maintenant était une version qui a été écrite par Gilles, Jean Gilles. Cette œuvre-là a été répétée pendant des années, et à la mort de Jean-Philippe Rameau, on a rejoué donc pour ses funérailles cette œuvre en y ajoutant des mouvements donc tirés de certaines œuvres de Rameau, donc des œuvres tirées de Castor et Pollux notamment. Et en y rattachant le texte du Requiem. Si c'est la pause. Oui, oui. I think it's the pause. Tu notes pour après? On a le bonheur d'avoir le collégien vocal de Gand pour le chœur. Et ça représente une énorme tradition. Ils ont bientôt 40 ans. Et à l'époque, c'était Léonard de Harnoncourt qui a appelé Philippe Hervègue pour demander si son chœur était disponible. Donc, on n'a jamais pensé qu'on va travailler avec ce chœur.
avec un mail ou un coup de fil au chef en demandant si son cœur était disponible. C'est quelque chose d'assez remarquable. So in fact, what we have to in measure 40, we have to pay attention to be together on the second beat, and we have to pay attention to the tuning of the fourth, and don't eat up the fourth beat. No dance rhythm. Bom, bom. Okay, encore. L'orchestre du Capriccio Stravagante est un ensemble qui a été formé, non pas par audition des musiciens, mais tout simplement en allant chercher les musiciens avec lesquels Skip aime beaucoup travailler. Donc de très très bons musiciens qui sont solistes aussi, donc des gens très forts techniquement et musicalement, et qui ont une grande écoute aussi entre eux. Donc c'est une ambiance, disons, musique de chambre élargie à l'extrême. C'est notre premier enregistrement d'une grande œuvre de musique sacrée. Donc, on est un peu obsédé par l'acoustique et le son des instruments originaux, absolument sublimes, sur lesquels l'orchestre joue. Donc, on a décidé de faire le disque pour Paradiso à Bruges, dans le Sint-Walburg-Kerk, qui a un acoustique extrêmement opulent. C'est en fait ça que j'ai souhaité pour la musique religieuse. Donc on a décidé de faire cet enregistrement dans un acoustique très très réverbérant qui favorise l'expression de la musique religieuse.